Over to you, Tamam. Thank you so much, Irina. I will share my screen. Okay, can you see my screen? Yes, but not in a presentation mode yet. Yes, I know. Okay, let me switch. Okay. Okay. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Hervé Mwankoudou, enseignant à l'ESTIC de Yaoundé et ambassadeur DOAG pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. J'ai le plaisir aujourd'hui d'assister ou bien de co-animer ce webinaire avec Tom, qui est l'un de mes mentors dans le cadre de l'Open Access et du DOAG. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les perspectives africaines de l'évaluation de la recherche. Alors, de façon globale, ma présentation va s'articuler en trois parties. Une première partie où je vais parler des pratiques actuelles en termes d'évaluation de la recherche. Dans une deuxième partie, je vais faire part des craintes et des dérives liées à ces pratiques actuelles d'évaluation de la recherche. Et puis dans la dernière partie, nous explorerons des ébauches de solutions pour sortir de ces pratiques dans lesquelles nous sommes ancrés depuis la création des universités. Alors, en termes de pratiques actuelles, je vais aller à deux niveaux. Le premier niveau porte sur le CAMES, et puis le second, je vais me pencher sur le cas de mon pays, le Cameroun. L'évaluation de la recherche au CAMES, il faut bien savoir que le CAMES, c'est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un organisme panafricain en charge d'évaluer les anciens chercheurs et de voir comment est-ce qu'ils peuvent changer de grade. Et ils ont conçu un guide d'évaluation où tous les critères sont recensés, les modalités pour changer de grade, et etc. Et vous verrez que dans ce guide-là, ils travaillent spécifiquement sur des domaines très précis que vous connaissez très bien. Ce sont des domaines, on dirait, peu reconnus de façon internationale. Il s'agit de 8 domaines qui vont des lettres et sciences humaines aux sciences et techniques de l'ingénieur, passant par la médecine. Donc, chaque année, plusieurs chercheurs et enseignants des universités africaines vont se faire évaluer auprès du CAMES pour changer de grade. Et parmi les critères généraux d'évaluation de ces candidats-là, vous avez bien sûr l'identité du candidat, la nature du diplôme, son ancienneté et l'évaluation des productions scientifiques. Alors, dans le cadre de l'évaluation des productions scientifiques, ce sont les choses que vous connaissez tous. Il s'agit d'évaluer les publications en termes de livres, en termes d'articles, d'évaluer les fiches techniques ou documents de valorisation et de vulgarisation du savoir. Les encadrements, combien d'encadrements est-ce que le candidat a eu en termes de master, thèse, etc. Donc, ce sont les différents critères qui sont mis en place au domaine, au niveau du CAMES, qui, comme je le répétais, a une action à large spectre parce que le CAMES est habilité à évaluer les candidats venant de différents pays d'Afrique. En ce qui concerne le Cameroun, qui bien sûr fait partie également du CAMES, nous avons un système local d'évaluation de recherche. Il s'agit du comité consultatif des institutions universitaires qui est chapeauté ou géré par le ministère de l'enseignement supérieur, qui a ses propres critères, en fait, qui propre au Cameroun, propre au système universitaire. Parmi ces critères, il y en a qui reviennent. Vous avez l'identification, les diplômes, les actes administratifs, les activités académiques et
autres activités telles que les conférences, les colloques. Et parmi les activités académiques qui sont évaluées, vous avez, et ça revient, l'enseignement, l'encadrement, les publications et deux documents confidentiels, hein, le rapport pédagogique confidentiel et le rapport administratif confidentiel. Ce sont des aspects qui n'étaient pas soulevés tout à l'heure là, dans notre évaluation. Peut-être ce sont des pratiques qu'on ne reconnaît peut-être bien qui n'existent pas ailleurs, mais nous avons des rapports confidentiels qui doivent être acheminés par la hiérarchie. Donc, en quelque sorte, voilà un peu les pratiques actuelles sur en termes d'évaluation de la recherche en Afrique. Mais il faut signaler que ces pratiques actuelles sont vraiment ancrées. Ces pratiques actuelles de système d'évaluation en Afrique sont très, très ancrées dans des modèles traditionnels, très rattachés au modèle du Nord, ce qui fait qu'ils sont empreints, ce système d'évaluation est empreint aux dérives et craintes qui, quelquefois, conduisent même à l'aliénation des chercheurs ou bien du système en soi-même. Parmi les dérives coloniales, ici, on va revenir un peu, Tom l'avait déjà mentionné, sur les travaux vraiment essentiels de la regrettée Florence Piron. Je profite pour faire cet hommage à Florence par rapport à ses travaux. Dans les dérives coloniales, il est clair que la science aujourd'hui est vraiment inscrite dans le capitalisme et l'économie de la connaissance. Et nous avons certaines gradations, même graduation en termes de science, où la science produite au Nord serait supérieure à celle produite dans les universités africaines. Nous avons également l'anglais comme lingua franca, qui voudrait que ce soit un peu la langue de la science qu'on utilise au détriment des langues locales africaines qui existent et puis d'autres langues aussi. Et le système de production, même de publication, est gangréné par ou bien est, je vais dire, est dominé, le système de publication est dominé par des grands éditeurs qui ont, permettez-moi le terme, qui ont infecté, je vais dire, tout le système de publication, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, de façon mécanique ou machinale, aimerait publier seulement auprès des gros éditeurs, et quel que soit le coût. Parce que, il faut parler d'économie, plusieurs revues qui vantent le facteur d'impact comme un facteur de qualité appliquent également des hauts taux d'APC, les taux demandés aux auteurs pour les frais. Demander aux auteurs pour pouvoir publier. Et quelquefois même, ces frais sont tellement élevés qu'ils n'arrivent même pas à couvrir le salaire de certains enseignants d'université en Afrique. De plus, au niveau de l'Afrique même, il faut dire que les pratiques, même les pratiques d'évaluation que nous avons vues, que nous avons mentionnées tout à l'heure, que ce soit au CAMES, ou au niveau du Cameroun, ces structures en charge des évaluations sont encore très, très ancrées au modèle du Nord. Ces structures veulent imiter le Nord comme parfois. Vous verrez donc que le facteur d'impact ici est de mise. On demande à certains, dans certaines filières, même au domaine, dans certains domaines, on demande de publier dans des revues à très fort impact, au risque de se faire renvoyer ou bien de ne pas changer de grade. Certains auteurs même, ou bien certains chercheurs
ont même la crainte de publier localement parce que, soi-disant, un article publié dans une revue internationale est coté doublement ou mieux coté que un article publié dans une revue locale. Donc, ces dérives coloniales sont vraiment persistantes et c'est entretenu par ces structures en charge de l'évaluation parce qu'ils ne vont pas chercher loin du tout. Hein. Ils vont essayer de copier un peu les mêmes principes de qualité de Web of Science ou Scopus ou autres pour essayer de les appliquer dans notre contexte, ce qui ne cadre justement pas avec notre contexte. Mais de façon plus locale encore, il y a d'autres réalités que nous ne connaissons pas. Il s'agit des dérives sociopolitiques. Hein, des dérives sociopolitiques. Ici, je fais référence aux travaux du professeur Dominique Vogoh, de regretter mémoire, qui a scruté le système universitaire camerounais et qui met en exergue un certain type de dérives qui empêchent la recherche ou bien qui peuvent plomber l'évaluation de la recherche. Il y a des dérives administratives, des dérives pédagogiques, des dérives idéologiques. Ce sont des réalités qu'on ne connaît pas dans le Nord. Hein. Ce sont des réalités qu'on ne connaît pas dans les pays du Nord, mais par exemple, le tribalisme pourrait être une des dérives sociopolitiques qui pourrait entraîner ou bien qui pourrait plomber le système d'évaluation des chercheurs sur le plan local. Et tout à l'heure, quand je faisais part des rapports confidentiels envoyés par les supérieurs hiérarchiques, même dans ce cadre-là, on peut voir des dérives. Quelqu'un peut délibérément ne pas envoyer ce rapport-là ou mal noter, etc. Et ça fait partie des dérives administratives. Il s'agit là des réalités qui sont méconnues, peut-être. Des milieux universitaires occidentaux. Tout ceci, toutes ces dérives-là entraînent un véritable stress auprès des chercheurs africains, c'est-à-dire la peur de voir son article rejeté, parce qu'entre-temps, on vous demande, pour votre évaluation, on vous demande de publier dans une revue à fort impact, mais apparemment, vous avez peur de publier, peut-être parce que vous n'avez pas accès à la documentation nécessaire, peut-être parce que la qualité de vos travaux n'est pas assez, vos travaux ne sont pas assez à jour. Quelquefois, le niveau de langue, parce qu'il faut dire qu'en imposant de publier en français ou en anglais, certains peuvent avoir des lacunes à exprimer clairement leur idée. Mais il est vrai, le paramètre sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que publier pour les chercheurs est très important, que nous soyons du nord, du sud, de l'Afrique, du Cameroun ou d'ailleurs, publier est très important. Mais pour que nous puissions introduire de nouvelles idées, pour que nous puissions être représentatifs au niveau, tant au niveau national qu'international, il est important de revoir le système d'évaluation. Il est important que le Nord, je ne suis pas en guerre contre le Nord, mais que le Nord reconnaisse aussi les systèmes d'évaluation locaux. C'est très important parce que à force de faire l'effort, en essayant de faire l'effort de s'arrimer aux normes occidentales ou bien universelles qui sont chapeautées, pilotées par les grands éditeurs, les Africains auraient du mal à publier dans ces revues-là. Donc, c'est un appel à beaucoup plus à reconsidérer même les pratiques d'évaluation de la recherche, tant au niveau international qu'africain et de même que à des niveaux plus bas, à des niveaux nationaux. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire pour nous aujourd'hui de repenser le système d'évaluation, de penser à un système alternatif. Cela passe vraiment de façon inévitable par un impératif décolonial et qui nous permettrait de mieux voir ou bien de mieux
de mieux définir comment est-ce que nous entrevoyons une évaluation par les Africains et pour les Africains. Donc, dans cet impératif décolonial nécessite en fait de décoloniser d'abord les esprits et les pratiques universelles dans les pays du Nord, ensuite de décoloniser les pratiques dans les pays du Sud également, parce que comme on le disait, quelquefois les causes même sont endogènes, parce que les évaluateurs sont tellement ancrés dans les pratiques et les systèmes d'évaluation venant du Nord qu'ils ne voient pas ce qui se fait localement ou bien ce qui peut se faire localement. Et sur un autre plan, troisième point, il faut produire et diffuser librement des connaissances socialement pertinentes parce que, comme vous le savez, la publication locale ici, la publication dans les universités locales africaines est beaucoup plus physique. Donc, plusieurs documents restent sur support papier et ne circulent pas assez sur Internet, ce qui cause leur invisibilité. Pourtant, si les revues ou bien les articles de toute la publication scientifique locale étaient mis en libre accès et facilement circulables sur Internet, je suis convaincu que la visibilité serait fortement accentué dans le sens positif du terme. Alors, ici, excusez-moi, c'est opinion personnelle, ça c'est une opinion personnelle pour des modalités d'une évaluation, d'un système alternatif d'évaluation. Et ce sont des pistes à creuser. Honnêtement, depuis que je sillonne un peu ce milieu de l'open science et de l'open access, je pense que pour mieux évaluer les articles ou bien les publications scientifiques issues des universités africaines, il faut prendre en compte le lien entre ces travaux-là et le contexte dans lequel ils sont produits. Mieux encore, il faut vérifier même l'accessibilité de ces travaux-là auprès des populations premières qui doivent bénéficier des résultats de ces travaux. Parce que régulièrement, on verra des travaux qui n'ont rien à voir avec notre contexte ou bien des travaux, par exemple, auxquels nous n'avons pas accès. Il y a une publication que Florence Piron aimait bien utiliser, des recherches sur le paludisme faites au Cameroun et qui n'était pas du tout accessible aux universités camerounaises. Il fallait encore payer pour avoir accès à cet article-là. Donc, la pertinence science-société est très importante pour l'évaluation. Il s'agit des critères qualitatifs ici. Vraiment, il ne s'agit pas des critères quantitatifs d'évaluation, mais des critères qualitatifs. Cette pertinence-là. Alors, c'est pourquoi même les évaluateurs doivent être des gens qui connaissent le milieu, c'est-à-dire qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent le contexte dans lequel on évolue. Il est également important de prendre en compte d'autres formats, canaux et lieux de diffusion des savoirs universitaires. Tout à l'heure, je mentionnais les publications, les articles avec les frais très élevés qui ne sont pas accessibles à tout le monde, tous les chercheurs ici, et même les lieux de diffusion. Vous allez voir que dans certains critères d'évaluation, on demande si vous avez fait des conférences à l'international, etc. Mais je dis, pour un chercheur qui fait une recherche, qui fait une étude, par exemple, sur qui fait des recherches sur les tontines ou bien les vendeuses, les revendeuses dans un marché camerounais. Je pense que le premier auditoire pour écouter les résultats de ces recherches-là, ce sont ces femmes-là. Hein. Et quelquefois, des chercheurs se tuent à aller faire des conférences à l'international avec beaucoup de frustration même. Quelquefois, ils ne peuvent même pas aller parce que généralement, ce sont des conférences où ils vont payer leur propre frais de déplacement et le refus même des visas. Hein, quelquefois, c'est vraiment aberrant ce refus des visas-là quand un chercheur doit se déplacer pour aller présenter
le fruit de ces recherches à partir de l'Afrique, la demande de visa, les procédures que ça prend et le refus, quelquefois, la plupart du temps, à la fin. C'est une insulte pour moi et c'est très frustrant aussi. Donc, des lieux de diffusion doivent changer. Les évaluateurs doivent considérer qu'on peut évaluer également même une conférence faite au marché auprès des femmes, par exemple, ou bien auprès des revendeurs, une conférence faite auprès des réfugiés, une conférence faite auprès des Premières Nations ou des populations autochtones. Ce sont des choses à considérer. Et quant au format, on peut, à l'heure actuelle, on ne peut plus seulement se contenter des articles et des livres comme objet de diffusion du savoir. Il y a d'autres canaux qui existent, une simple vidéo, un tutoriel, un documentaire, il faut pouvoir évaluer ça, une rencontre, des débats, il faut pouvoir orienter ça. Ces moyens de diffusion sont également chargés de beaucoup de sens scientifique qu'on pourrait exploiter. Il faudrait également prendre en compte les langues locales dans le cas où elles sont utilisées. Si un chercheur décide de publier en sa langue locale, je ne parle pas pas du français ou de l'anglais ou de l'espagnol, quoi qu'il en soit, pour nous, toutes ces langues-là sont des langues coloniales. Mais si un chercheur africain a la capacité d'écrire en sa langue locale, que ses écrits soient reconnus et acceptés ailleurs, quitte à ce que les éditeurs fassent un travail de traduction, s'ils veulent. Le facteur d'impact ici, qui est très, très demandé dans les instances d'évaluation des chercheurs, n'a pas de pertinence dans notre contexte. Déjà, même que Thomas en a parlé assez, le facteur d'impact, ce n'est pas un paramètre qui peut rassurer sur la qualité même du texte publié dans les revues. Le facteur d'impact, c'est juste un outil commercial, un outil de marketing. Donc, honnêtement, il ne devrait même plus figurer parmi les facteurs ou bien les paramètres à considérer lors de l'évaluation. C'est à but commercial, carrément. Mon dernier point, c'est vraiment de bannir la dichotomie internationale et locale, parce que vous allez voir dans certains comités d'évaluation, on fait une différence entre des revues dites internationales et des revues publiées localement. On devrait faire l'effort d'accepter, de considérer toutes ces revues au même niveau. De même, au niveau des comités scientifiques dits internationaux, quand il s'agit de discuter d'une réalité propre à mon contexte, par exemple, je me verrais mal comment Tom, par exemple, viendrait parler d'un contexte que je maîtrisais mieux. Et il a si bien fait lors de sa présentation où il a dit carrément la perspective africaine, il ne viendrait pas parler de ça parce qu'il ne connaît, il a peut-être une perception de cette réalité-là, mais il ne la maîtrise pas mieux que nous-mêmes qui sommes africains et qui sommes basés en Afrique. Donc, les comités scientifiques dits internationaux, où on ira prendre des grands noms, des grandes universités, le MIT, le ceci, cela, la Sorbonne, pour faire vraiment international dans nos revues, ça n'a pas de pertinence. Déjà que vous êtes tous, la plupart d'entre vous, vous êtes des chercheurs comme moi, ils n'ont toujours pas le temps d'aller vraiment évaluer les articles ou bien aller de bout en bout. Alors, il faut éviter de faire semblant dans ces procédures-là. Je pense que ce sont des choses qui ne devraient pas compter dans notre contexte. Alors, je vais terminer avec le DOAG, avec son rôle, parce que le DOAG joue un rôle vraiment important en tant que médiateur qui permet aux revues, je vais me limiter aux revues, qui permet à la production scientifique locale d'être visible à l'échelle internationale, parce que à travers la plateforme, les critères même très inclusifs qui favorisent l'indexation des journaux locaux est quelque chose bien des revues locales est quelque chose de très important pour la visibilité de la recherche africaine, l'évaluation des chercheurs. En plus, le DOAG ne surclasse pas les
les revues, ne les catégorise pas, ne présente pas certaines revues comme à fort facteur d'impact, etc. Donc, pour ma part, le DOAJ est vraiment un très grand connecteur, un facilitateur du global et entre le local et le global. En ce sens que le DOAJ, en indexant les revues africaines, permet ou assure leur visibilité, met en place un certain nombre de critères qui permettent un certain nombre de critères qui permettent aux revues de s'arriver à la qualité, hein, sans toutefois être asphyxiant, parce que les critères du DOAJ ne sont pas du tout asphyxiants, ce sont des critères que tout le monde peut respecter et atteindre un certain nombre de qualités. Parce que quand nous disons que nous pensons à un système d'évaluation alternatif, ça ne veut pas dire que nous refoulons tout ce qui est fait depuis. Non, nous ne refoulons pas. Ça ne veut pas dire que nous mettons de côté la qualité. Non. Hein, on garde les mêmes principes de l'évaluation par les pairs, on garde les mêmes principes de qualité, etc. Donc, le DRG est un très bon guide qui permet aux uns et aux autres de s'arrimer à un certain niveau. Et cela m'a même fait, ça me fait plaisir parce que ce matin, j'ai reçu ce flyer qui parlait, ce flyer fait par le CAMES, qui donnait un peu des astuces aux chercheurs, pour, des astuces de reconnaître, de comment reconnaître des revues prédatrices, parce que vous savez, c'est quelque chose qui auquel les chercheurs du Sud sont sujets, dans le sens où ils tellement ils veulent rapidement publier qu'ils n'ont pas toujours le temps de vérifier la qualité des revues, etc. Et vous verrez que ici, dans ce flyer, vous voyez que le DOAJ fait partie des, pardon, fait partie des plateformes vraiment reconnues ici là pour aller vérifier si dans la liste de ces revues, si un journal est bien, si on peut publier tout ça. Le CAMES même recommande le DOAJ, comme vous le voyez là. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez merveilleux de voir cette reconnaissance-là que joue le DOAJ auprès des universités africaines. Et comme je le disais tantôt, appliquer pour le DOAJ, pour être indexé dans le DOAJ, ce n'est pas du tout facile. Il y a un nombre de critères qu'il faut respecter. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pu faire une journée d'études, par exemple, ici au Cameroun, sur les critères d'indexation des revues dans le DOAJ. Et c'était très bien ça, remis en cause beaucoup, beaucoup de beaucoup d'idées, de préconçues que les éditeurs locaux avaient. Actuellement, un travail en train d'être fait pour arrimer certaines de ces revues, pour indexer certaines de ces revues dans le DOAJ. Et à noter également que le DOAJ fait un très fort travail d'accompagnement auprès des différentes revues qui souhaitent se faire indexer ou bien atteindre un certain niveau de qualité à travers son réseau d'ambassadeurs, justement, ce qui est très important. Donc, si vous avez un besoin, vous pouvez contacter l'ambassadeur de votre région qui pourra vous accompagner dans ce travail-là. Et pour justement expliquer ou bien démontrer, ça c'est la revue, ça c'est le grenier des savoirs, par exemple, où nous avons des revues en langue locale, parce que le DOAJ encourage même l'utilisation des langues locales. Et vous allez voir que plusieurs de ces revues respectent les critères d'indexation du DOAJ ou bien sont en train de travailler pour respecter ces critères-là. Donc, pour moi, je termine en disant, en recommandant fortement tous les acteurs africains dans le monde de l'évaluation de la recherche, la publication scientifique et l'édition même, de s'approprier des principes du DOAJ, des principes d'indexation du DOAJ. Et mieux encore, le DOAJ est très ouvert à des critiques.
en ce sens que vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les critères, mais vous pouvez faire des propositions au DOAJ pour que certains critères soient revus et prennent en compte nos réalités africaines. Ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que le DOAJ est ouvert au dialogue. Sur ce, je vous remercie et je reste ouvert à certaines questions s'il y en a. Merci. Thank you so much, Irina. I'm done with my presentation. So now I'm open to questions if there are some. Thank you. Merci beaucoup, Thomas. Formidable. Il y a quelqu'un commentaire dans ce Q&A, peut-être vous pouvez lire. Mathieu Young. If you could open the Q&A and maybe read what Ian wrote, because I think your French would be better than my French reading. Oui, je vois là le commentaire de Madien Dien, et il dit, de ce point de vue, la pensée des autres ne devrait pas guider notre manière de faire, de communiquer et de collaborer entre Africains. À mon humble avis, c'est à nous, chirurgiens africains, d'identifier les problèmes que nous rencontrons dans notre pratique quotidienne et d'essayer de leur apporter des solutions adéquates en s'appuyant sur la recherche et la diffusion des connaissances, tout en restant ouverts au reste du monde de la chirurgie. À ce titre, son rôle de, sorry, compte jouer son rôle d'organe d'échange et de diffusion des résultats de la recherche dans le domaine de la chirurgie et des spécialités chirurgicales effectuées au Sénégal et en Afrique. La perspective la plus proche est un projet de mise en ligne du journal pour une meilleure visibilité des articles publiés. Et l'étape suivante sera de travailler pour une indexation de la revue au niveau des bases de données régionales et internationales. Merci beaucoup pour ce commentaire de Mandien Dien. En fait, ce n'est pas une question, je pense, c'est un commentaire qui a sa place, qui nous invite ici à prendre nous-mêmes le taureau par les cornes. La solution ne devrait pas venir de l'Occident, mais c'est de nous-mêmes. Et c'est à nous de montrer aux Occidentaux, bien à nos confrères occidentaux, comment est-ce que nous souhaitons travailler, qu'est-ce qui marche pour nous et ce qui pourrait être durable pour nous. Je suis totalement d'accord avec ce commentaire de Mandien Dien. Et il faut dire que dans le domaine médical, c'est très bien huilé, c'est facilement huilé là-bas parce que si vous allez dans le site du DOAJ, par exemple, vous allez voir que la seule revue au Cameroun qui est indexée dans le DOAJ, c'est la revue de la Faculté de médecine et de sciences biomédicales. Elle marche très bien et elle est vraiment indexée. C'est un exemple à suivre. Je pense que même les chirurgiens aussi, et le journal africain de chirurgie pourra faire pareil. Merci. Merci. So I think Irina, I think it's a great comment from Madian. So if we can copy or keep this comment, it will be helpful for. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, I'll make sure that I'll include it. Oui, pour le dernier commentaire de Madian, Madian, je suis disponible. Vous pouvez. M'écrire et puis on verra ensemble ce qu'il faut faire pour vous indexer dans le DOAJ. À noter que ce n'est pas un service payant parce que nous travaillons au niveau du DOAJ de façon à accompagner les revues vers ce niveau-là. Donc je me ferai, c'est mon devoir de vous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup plus vu des questions au niveau du QNR, j'ai vu beaucoup plus des commentaires de Mandien Dien. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on les copie parce qu'ils pourront être utiles plus tard. Mais dans le chat, je ne sais pas si il y a des questions.
Je ne vois pas d'autres. Mais il y a un commentaire intéressant de Mouni Trifi dans le chat aussi. Merci Thomas pour avoir évoqué ce problème qui constitue un obstacle pour l'humanité en matière de tirer profit de la recherche scientifique. Les organisations mondiales ou locales doivent intervenir pour permettre l'accès public aux travaux scientifiques, surtout en matière de préservation de la santé de l'humanité. Donc, c'est un commentaire de Mouni Trifi. Merci aussi pour ce commentaire, Mouni. Merci. Si Alassane, vous avez levé les mains, voulez-vous parler? Si oui, dis oui dans le chat. Je vous laisserai parler. Allô Thomas, tu peux te demander quelque chose? Oui. Combien? Est-ce qu'il y a des revues en langue locale au Cameroun qui sont montées déjà ou bien en train d'être là? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait des revues entièrement en langue locale. Le travail qui a été fait avec le Grenier des Savoirs, c'est de travailler sur les métadonnées en langue locale. Donc, généralement, les résumés, au moins les titres et les résumés sont en langue locale. Et il faut aussi dire que les langues locales ici au Cameroun, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très bien structurées avec une grammaire, l'orthographe et tout ça. Par exemple, chez les Bamoun, la langue est bien structurée, le Fofudo aussi, je crois bien. Mais la plupart d'autres langues sont beaucoup plus parlées. Et autres. C'est pourquoi je plaidais pour d'autres formats de diffusion. Parce qu'on pourrait parler de la science par audio et qu'on accepte que je sois évalué. C'est-à-dire, si je vais discuter avec des détenteurs de savoir dans les villages et que je m'exprime en ma langue locale, qui est ma langue native, qui est le Wondo, qu'on accepte d'évaluer mon audio au lieu d'attendre à ce que j'écrive un article et qu'on accepte d'évaluer en ma langue locale. Mais c'est seulement pour certaines disciplines. Oui, pour certaines disciplines. Oui. Pour certaines disciplines. Et aussi, vous parlez de podcast. Oui, oui. OK. Mm-hmm. C'est important pour rapprocher les podcasts sont importants pour rapprocher la science de la société, je pense. Oui, très bien. Oui. Oui, c'était très bien votre présentation là. Merci beaucoup. Il y a beaucoup merci dans les chats et dans ce Q&A. Vraiment formidable. That last chance to ask your questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Thank you so much, Thomas and Tom, for running this webinar and also for speaking at our previous webinars. And like I said, it's the last one in the series of seven webinars that were organized by HL, SAF, DOJ, IFOL, LibSense, and UCT. So we'll make slides and recordings available. Thanks a lot for attending this webinar. So I'll probably stop recording now.